Bonjour à tous et à toutes, je suis Alu, c'est la suite de Breath of Fire. Encore une fois, il faut que j'avance ce jeu. Et en fait, je suis toujours à l'endroit où je me suis fait défoncer la gueule la dernière fois, un boss chiant, un boss long. Et donc du coup là, et ben je vais... oui, je vais faire un entraînement spécial. En fait, ce monstre ici, il faut le battre. Sauf que comme un caca, je suis mort alors que j'avais une petite stratégie. Ma stratégie étant toute simple, suffisant d'utiliser des herbes tous les 4 à 5 tours. C'est extrêmement simple, donc du coup je retente le combat. Oui, allez. Donc là, bourrer l'attaque pendant un petit moment. Et vu que je vais me soigner, au tour où je vais me soigner, il faut que je prévoie un tour d'avance. Par exemple, voilà. À ce tour, je me soigne. Exactement. Et je continue d'attaquer. Échec! Oh, ça c'est bien. Mais en fait ça va vite quand on a cette j'ai pas envie de dire cette technique, mais cette disposition de stratégie. C'est quoi cet ennemi? C'est un cerf, hein. Peut-être dans la France avec ses grosses griffes. Deuxième échec. Là, si je pouvais sortir un critique, ce serait encore mieux. Troisième échec, oh là là, cette chance. Oh, cette RNG qui me veut du bien. Alors, je ne vais pas passer une vidéo entière juste sur ce boss, évidemment. On va quand même avancer un petit peu l'histoire. Là vraiment faut du soin par contre. Ah, je vais être un peu juste niveau herbe, je pense. Pensez à en racheter. Ouh, contrer et j'attaque. Ça déjà c'est double dégâts. C'est pas de refus. Pour l'instant la RNG, oh le petit critique à 26, parfait. Là la RNG elle est avec moi. La RNG est tout simplement très très bonne. Allez, on y est presque. Allez. Allez, presque le décès. Je vais encore me soigner un coup. Je m'en serais douté d'un petit 18. Et là, normalement, voilà. Parfait. Bah, ça, c'est rapide. Et donc, ah, félicitations. Poutre de moi de serre, mais d'accord. Yay, je peux faire quoi? Ok. Alors ce qu'on va faire c'est juste boire de l'eau. Qu'est-ce que j'ai appris? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a une tête de dragon. Dragon neige, dragon flamme, dragon tonnerre. Oh! Est-ce que je peux me transformer en dragon neige? Ah oui, d'ailleurs je voudrais savoir l'effet de l'objet melon. Dès qu'on va ranger un peu. Objet. Le melon. Le melon, où est-il? Melon récupère des points de vie. Ah oui, alors l'anneau, peut-être que je peux l'équiper. Là, ça sert à rien. Là, on va voir les autres. De toute façon, il faudrait que je change mon équipement.
Donc en fait, t'as attendu juste que Ryu vienne le vieux pour dire il faut que tu s'entraînes. Le bracelet qui change rien du tout. Ok, donc revendre de l'équipement. Oui, donc j'étais arrivé là. La coulée de lave, oui. Donc il y avait tout ça. On descend. Il y a des arbres. Sauf que. Oh, j'ai envie de claquer. J'ai envie d'en voir à quoi ça ressemble. Mettons dragon flamme. Et puis une attaque. Ah oui! Mais c'est que ça a l'air tellement cool. Et maintenant que je suis un dragon, est-ce que mon skin a changé? Donc je suis un dragon. Techniquement. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà une meilleure défense. Ou alors c'est juste que ces ennemis sont de la merde. Alors. Oh oui! Le petit 115 de dégâts. C'est tellement bon. Bon, par contre, j'avoue que ça demande d'utiliser pas mal de PV. Oh oui, une grotte. Ouais, je vais pas non plus utiliser le full dragonnet sur Ryu. Surtout pour des ennemis un peu nuls. En plus ça me bouffe un tour. Ça c'est fait. Il y avait rien à gauche. Non, il y avait rien. Donc la grotte. Et je suis où? Taverne capitaine. Oui. Bon. Bah on descend. On explore un petit peu. Un petit donjon. Pourquoi pas. Oh, des ennemis de merde. Fuite. Oh non, des ennemis de merde. Oh, la fuite qui marche. Oh, c'est beau. Oula. Paralysie. Pef. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un petit problème au niveau de ce monstre. Le sprite qui vibre, je pense que ça doit faire peur. Je pense que ça doit faire peur. Ouah, c'est long. Ouah, c'est chiant. Allez, Nina, pef, paralysé. Double paralysie. Parce que... Critique, 100. Normal. Malédiction. Alors, je pense que c'est malédiction. Oui, je vais vérifier au cas où. Le statut. Le statut, exactement. Sort, Nina. Sur une petite putain normale. Ça marche. Et ça marche bien. Bon, sinon le reste, c'est bon. Le reste est ok. Là, il y a un embranchement. Mettons en bas. Ah bah il y a une sortie. Ah oui. Fuite. Comme un lâche. Bon. Oh là là, c'est beau. Donc là, nouvelle partie de la map. Normalement. Avec des slimes. Là ça sent. Non, y a rien. Alors là il y a un truc. Oh, il y a une tête de dragon. Ah, je veux.
des rhinos inutiles. Je veux la tête de rhino. Ah oui, alors. Là. Oui, non, peut-être. Allô. Allô. Tête. Bon, non, bon, tu ne sers à rien. Nina, Nina, non plus. Bon, bah, allons à la ville. Bon, bah, d'accord. Ah, il y a de la chasse. Ah oui, je peux en bloquer un. Alors, attention. Attendez. Attention, beau. Dans l'arc. Pef. Voilà, c'était la chasse. Bonjour, messieurs. Joie. J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, mais j'ai rien compris. Il dort. Eh. Eh. Salut, je sais pas. Ouais, je viens. D'accord. Et là, un abîme. Qu'est-ce que c'est? Un abîme. Oh. Petit équipement. Ouais, ça baisse ma défense quand même. Ah, là par contre, ça augmente bien ses stats, Nina. Et toi, ça baisse ta défense. Ok, donc Nina, tu vas la prendre. 68 défense magique d'un point. Parfait. Bon, bah voilà. Bon, je me suis fait arrêter. C'était agréable. Je vais pas le mentir. D'accord. Je dois être dans une prison. Très bien. Très très bien. Ah. Attendez. Hop. Droite gauche. Sauvegarde. Important. Oui. Sauvegarde vite. Et je voulais. Et allons nous balader un petit peu sans. Pourquoi ça brille partout? C'est de l'or. Bonjour messieurs. Oh, vous avez une drôle de tête. Je vais te vendre des choses. Je vais te vendre. Des choses que je. Impossible à vendre. Bon bah ce bracelet. Cette robe, ce. Bah, c'est tout. Acheter. Ou une rapière à 1006. Attendez. Je vais acheter plus tard. On va voir ce que ton pote a proposé. Une bourse, une canne, un link. Oh, l'or massif. La canne c'est intéressant, mais la link ça m'intéresse encore plus. Allez, je vais essayer de tout faire pour avoir la ligne, parce que si c'est cher, je pense que ça doit avoir une utilité pour la suite de l'histoire. Ok. T'apporter des vitamines, oui. Oh, ça, et moi aussi, je peux me transformer en dragon. Oh. Le Roméo. Quoique, attends. C'est très la discrétion tout cela. C'est très très discret. Alors. Il y a une gerbe. Oh, une gerbe que je peux pousser. Que je ne peux plus pousser. Bonjour, excuse-moi. Ok, mais je m'en fous.
Ouais. Ah, oui, je me le disais aussi, c'était un peu caché. Bon. Bref, je pousse par derrière. Donc toi, tu veux des vitamines. Ça tombe bien, ce mec en a. Je vais te prendre... Pas ça, c'était pas le bon. Oui, bonjour, échappe. Qu'est-ce que tu veux? Fais vite. Je vais te prendre des vite. Regarde le nom. Non, mais c'est bien. La bourse aussi, ça, en fait, la bourse et la canne, ça m'intéresse, ainsi que le livre. Donc, je vais te prendre une vitamine. Voilà. Voilà, je te prends juste une petite vitamine. Hein. Voilà. Et on va le donner à toi. Ouais, 500 000, moi ce que j'y ai pensé, ça me fait un petit 4 000. Bon, et ben j'ai plus qu'à fouiller un petit peu partout dans cette ville. Oh, mais c'est de l'or, cachons-nous derrière les murs. Voilà. Cachons-nous derrière les poteaux. Hop, sneaky. Oh, mais que voilà un superbe bateau! Ah bah je n'en doute pas mon gars. Mais il est beau ton bateau. Peut-être devrais-je aller là après. Alors attention. Sneaky, sneaky. Pouf! Allez. Bonjour madame, je ne suis pas ici. Veuillez ne pas dire à la police que j'étais là. Je ne fais que chercher, vous regarder, fouiller ce que les maisons ont à offrir. Sneaky, sneaky. Hop là, bonjour toi. Voilà. Pourquoi? Pour scandale, j'ai failli lire scandale. Ouais, bah, c'est cool mon gars. La fusion, tu sais. Je ne fais rien, tu n'as rien vu. Bonjour le coffre. Tranquille. Mais tranquille. Alors là. Je ne fais absolument rien chez toi. Y'a rien. Ces personnes sont très très riches. Je vais les voler. Ah bah tiens, un petit coffre. Cet homme a l'air malade. En bois. Boutique. Bon. Cette maison était très intéressante. Mais tranquille. Oh, c'est vol. Ah, mais je vole tout, c'est bon. Donc j'ai dû interrompre un petit peu parce que les interventions iraient ça. La maison. Fouillons. Fouillons, fouillons, toujours, toujours. Une bille. Je récupère pas mal d'items de combat, ce qui est plutôt intéressant. Y a-t-il des choses dans ces baignoires, dans ces lits, dans cette commode? Les commodes. Allez. C'est ouvert. Demi. Ah, demi décolle. Ah oui. Rien d'autre. Rien d'autre. On va continuer de visiter en faisant attention aux gardes. Hein, évidemment, parce qu'on m'aime pas. Enfin, tu m'as déjà dit. Mais la paix se monnaie. Comment? La philosophie de vie de ces personnes. Non. Non mais c'est pas vrai.
Un mensonge. Bon, mec. Ouais. Bon. C'était pas une bonne idée. Je pense que c'était pas la meilleure idée du monde de voler ce coffre. Voilà. Bon. Mettons maintenant que je n'aille pas voir ce coffre. Ah ah. Là, il y a toujours rien. Non, reviens en bas. Je n'ai pas volé la commode. Imprenez-le. J'adore comment ils ont raccourci les noms. Ouh, B3, ça par contre. Bonjour monsieur. Ah, Lina. Oui. Je ne sais pas. Magnifique fond rose. Deuxième fond rose. Allez, un troisième. Allez, un quatrième. Allez, un autre. Je ne vais pas faire cette blague sur ce qu'a fait Nina. Mais je pense que j'ai des idées très très mal placées. Bon, j'obtiens un soin. Pour l'instant, l'argent et les objets, ça va. Maintenant, je vais aller. Wow, bah elle est là. Une maison que j'ai pas vue. D'accord, très bien, je m'en fous. Un gland. Une. Anneau Intel, peut-être. Anneau Intel. Non. Objet. On va le ranger aussi. Un lointel. D'accord. Mettons que ça serve. Mettons que ça serve. Là, il n'y a rien. À l'étage, bon, je pense que comme d'habitude. Là, top, ça. Je prends la bille. Le coffre juste là. Non, on va descendre. Son fils n'est pas revenu de la forêt. C'est vrai que c'est intéressant. Une petite quête annexe, on dirait. Bon. La clé, elle, je peux vous la prendre. Bonjour, ah, c'est grand. Bonjour, monsieur le roi. Oui. Au coffre. Comment? Comment cela est-il physiquement possible? Je veux dire, rentrer dans un coffre. Bon. On va attendre déjà de retrouver le fils de l'autre à la forêt. Ah. Bon, de toute façon, voilà, hein. Je pense que ouais, elle dort. Moi, je me barre.
Alors une forêt. Une forêt, une forêt. Une forêt, Il y en a plein des forêts. Alors là, je ne vois pas du tout. Oh non, j'étais bloqué par des slimes. Oh là là là. Bon, en fait, non, là, ça sert à rien. Oh, il y a un cerf, attendez. Est-ce que... Ah non, je voulais le faire bugger. Bon, je vais aller par là. Bonjour. Ah non, c'est pas là que je vais aller. Il n'y a absolument pas là des mouches. Lol. C'est de Léa. Oui, c'est un petit peu important. Je vais mettre une hypothèse stupide. C'est un endroit, la forêt, c'est un endroit que j'ai complètement skippé. Ouais, alors attendez. Comment faire? Normalement, si j'ai visité la ville, je pense que ça doit marcher. Donc là, j'étais à Auria. Je vais me téléporter à Tanta. Voilà, oh la magie. Ouh, incroyable, énorme. Du coup, hop là, je vais sortir de Tantar. Parce que ça se trouve, c'est ça, c'est un chemin que j'ai complètement oublié. Je vais revenir là où le golem s'est suicidé. Le golem s'est suicidé. C'était par là. C'était quelque part à l'ouest, au nord, au sud, oui. Il me semble que c'était quelque part pas par là, un peu plus à droite peut-être. Par contre là je peux fuir. Peut-être parce que le jeu a enfin décidé que j'étais un peu puissant. Voilà. Ah, je retrouve pas l'endroit. C'est énervant. Beau. Ah. Pas par ici. C'était à droite. Un échec. Double échec. Non, mais d'où? Mais en plus. Ouais, alors, je suis en train de me demander, est-ce que c'est l'endroit où son fils était, c'est pas la suite de la caverne capitaine, qui contient des mouches. On ne le savait pas. J'apprends des choses, voyez-vous. Ah la vache, ça résiste. Ça résiste bien ces mouches. Donc. Bon, et ça fait de la thune aussi, on va pas se le cacher. 78 pièces d'or, c'est peu.
Là, il y a un mur. Voilà, je suis sorti. Entre-temps, il y a eu des mauvais, mais c'est pas grave. Putain, pourquoi je m'en sabotais? Salut, le nabo. D'accord, bah... Ah, c'est toi. Bon. Peut-être que c'est ici que je dois aller. Hein, je ne sais pas, ça y ressemble beaucoup. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, mesdames. Bonjour. Non. 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 Peut-être toi. Non. Toi. Non. Non. Ah. Non, je vais pas couper tes arbres. Allez. Non, mais je... Ah, oh, mais... Attends. Est-ce que par hasard, si j'ai vu le fils, maintenant, un trigger va s'enclencher? Ah, si c'est ça, je vais pas être content. Donc, oui, mon destin est entre tes mains, guerrier de la lumière, et voilà, très très fort. C'était la maison là. Oui, alors bonjour. Voilà. Voilà, il faut l'aider. Et du coup, je dois revenir. Hein, je dois retourner dans l'autre sens. Ah, c'est génial. Ah, j'aime ça. Et d'abord, je sauvegarde. Et puis, on est reparti pour faire une ellipse. Ah, c'est trop cool. Allez, à tout de suite. Donc je suis revenu. Alors les fées, vous allez gentiment le libérer, s'il vous plaît. Et voilà. Mais non. Mais bon, qu'est-ce que tu fais? Alors, excuse-moi. Ah, c'est bon. Bon. Alors, sort. Téléporté à Oria. Donc, je suis à combien de thunes? Je suis à 30 000. Ah, ça va être tendu pour 65 000 de thunes. Enfin, est-ce qu'il est revenu ce grand con? Oui. 20 000 PO, je monte à 50 000. Ah, c'est pas assez! C'est pas assez. Oui, donc, toi, tu voulais que je sauve ta fille venir dans le coffre. J'aimerais d'abord comprendre comment elle a fait. Parce que, oui, je veux savoir. C'est important de savoir. Il y a un coffre. Comment on accède à ce coffre? Pas en prenant les escaliers, déjà. Ah, il y avait du soin. Un tiers, là, même. Au nord, à toi. Oh oui, oh, c'est bien de la merde. C'est bien de la merde, ce tiers. Attention. Là, il n'y a rien. Là, où il y a un escalier.
Là, il n'y a rien. Mais là, il y a une commode. Tranquille, 2000 de thunes. Et non, ah bah non, on peut pas. A priori, on ne peut pas. On ne peut pas y aller ici pour le moment. Là-bas, il n'y a rien. Là, on a rien. Là, il y a le roi. Là où il y a descendre. Donc, on va descendre. On va faire un petit peu plus de jeu. D'accord. Bah, oui. Alors, ferme la clé. Je veux bien. Bah, du coup. Mec, arrête de marcher. Arrête de marcher. Oui, le coffre, très bien. Et ben, on va s'arrêter là. Parce que voilà, ça a duré un peu longtemps cet épisode comparé à le dernier qui aura duré un petit quart d'heure. Voilà, c'est la façon de m'excuser. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, tout ce qui est la commentaire abonnement. Seulement si tu juges que mon contenu te plaît. Le partage, tu peux me follow sur Twitter. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine.